avec une autre vidéo sur ma chaîne YouTube Zonko TN. Aujourd'hui, je fais une vidéo normalement, c'est la vidéo où je vous montre comment vous pouvez faire votre miniature. Mais si vous voulez mettre une photo, votre photo sur votre miniature, il faut que je vous montre comment vous pouvez décorer une photo, votre photo. Et du coup, la prochaine vidéo, ça sera comment vous pouvez faire votre miniature, et celle d'après, la bannière et tout, je vais vous montrer beaucoup plus de choses. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'étais en vacances. Et du coup, allez-y, on y va, let's go. D'abord les amis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et likez la vidéo et partagez-la le plus, pour que je peux continuer à vous aider et à vous faire des tutos et à vous donner des conseils. Vas-y, la première chose, on y va sur App Store, recherche, on écrit PeaceArts, et c'est celle-là l'application. Dès que la téléchargez, vous cliquez sur ouvrir. Là, on attend. Du coup, là, il y a le plus tout au milieu. Vous cliquez sur plus. Vous venez là. Toutes les images. Si par exemple, vous voulez détourer cette image. Non, ça est flou. Si vous voulez détourer cette image, par exemple. Les pubs, ils gagnent leur vie. Hein. Vous venez ici. Vous cliquez sur dessiner. Vous cliquez tout en bas à droite, là où il y a les carreaux, et vous cliquez sur la photo. Vous pouvez la mettre en premier, et vous recliquez, encore une fois, jamais vous cliquez en haut à droite sur le truc comme ça. Jamais, 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 parce que ça valide et ça annule tout. Du coup, après, vous cliquez sur le crayon, vous cliquez une deuxième fois. Et là, normalement, vous trouvez ça, je pense, tout au début, je pense, hein, vous trouvez ça. Mais on va choisir le point. Et là, on met la taille. Et au début, vous allez trouver comme ça, zoomabilité, elle n'est pas activée. Mais c'est obligatoirement, il faut l'activer parce que ça va nous aider à bien détourer l'image. Du coup, vous l'activez. Et là, vous mettez la taille. Au début, moi je mets 100, normalement 100, 110, ouais. On fait ça, on enlève, toc, toc. Après, on met, moi, perso, je mets 25. Et du coup, on zoome là, on fait le tour, on le fait bien quand il faut pour que ça se voit pas. Il faut bien le faire, vous prenez votre temps pour le faire. Moi je le fais vite fait parce que, et si ça y a une faute ou un truc, vous cliquez là sur le flèche. N'hésitez pas à tourner le téléphone dans tous les sens pour le faire, quoi. Tac. Voilà. Il faut bien le faire parce que c'est très 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 important. Il faut pas que ça se voit que c'est détourné. Après, on fait ça. Tac. Hop, hop, hop. Tac. C'est ça. Tac, et là on fait la taille, on met 15 parce qu'on va faire le tour du visage. Hop, voilà, non, c'est mal fait. C'est 15, on met 10 même parce que c'est super important ce qu'on fait là. Putain, tac. Bien le faire que ça se voit pas, ouais. Tac.
Moi, je fais étape par étape. Je veux bien finir cette partie-là. Du coup, je vais mettre 26. Tac. Je vais finir ça. Aïe. Putain. J'ai touché. Tac. On zoom. Tac. Bah, cette application, elle va vous aider à faire votre bannière, votre miniature, tout, tout, tout. Elle va vous aider à faire tout. Elle va vous aider énormément. Du coup, n'hésitez pas à la télécharger. Et c'est très efficace. Moi, je trouve que c'est efficace et c'est la meilleure application. Après, c'est vous là. Il faut prendre votre temps. Hein. Il faut le faire. Il faut le faire super bien pour que ça donne bien après. Ouais. Des petits là et tout. Tac. Vous voyez là. Là, c'est mal fait, un peu. Mince. Attendez. Mais mince, j'ai pas touché. Là, on vient. Ah putain. Le début, ça sera difficile pour vous, mais après, quand vous serez habitué, ça va aller très très vite. Là, hop, tac. Vous voyez là, j'essaie de faire vite. Tac. Attention là, à des trucs qui restent, il faut bien. Attention, hop. Hop. Ah là, il faut faire, hein, il faut être patient pour faire. Il faut le faire bien parce que ça va donner. Ça, si vous allez l'utiliser dans votre bannière ou dans votre miniature, les gens vont vous voir. Ça en premier, hein. Ils vont voir ça. Du coup, il faut le faire super bien. Moi, je le fais vite parce qu'en fait, je commence à être habitué. Mais vous, la première fois, vous allez faire des bêtises, on va dire. Mais après, vous serez habitué, vous allez le faire dans même pas 5 minutes. Et là. Là, vous voyez. Hop, comme ça. Je sais pas pourquoi ça donne pas bien. Ouais, là, c'est bien. Tac. On va pas faire de bêtises. Et là, on a.
La presque finie. Il faut vérifier. Vous cliquez tout en haut à droite, là. Vous cliquez sur ignorer. Après, là, on vérifie s'il y a quelque chose qui est blanc. Non, on a bien fait. Super. Et comme vous voyez là, là, il y a l'effet. Il y a des effets, par exemple HDR, masqué, noise, ce que vous voulez. Il y a les croquis. Ça charge un peu. Putain, c'est lourd. Il y a aussi flou, il y a artistique, il y a tout là. Comme vous voyez, il y a flou, il y a tout, 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 tout. Vous voyez là. Magie, il y a tout. Il y a glitch et moi je vais le laisser normal. Du coup, si vous avez fait vous avez mis HDR, vous cliquez sur appliquer. Par exemple, il y a des autocollants, découpage, texte, vous pouvez ajouter une photo, vous pouvez faire tout. Et donc là, on a fini de détruire l'image. On clique sur suivant. Putain, les pubs, ils gagnent leur vie, c'est ça. Suivant, après vous cliquez tout en bas à gauche sur enregistrer. Vous cliquez sur la troisième enregistrer. Et du coup là, c'est bon, terminé. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Là, vous avez fait votre photo. Si vous allez sur votre galerie, vous allez la trouver ici. C'est bon, on a fini. Elle est bien. C'est super. Bah, je vous dis merci, merci, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaît. Et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Donc, si vous n'êtes pas abonné, pour le moment, abonnez-vous. Cliquez juste en bas ici. Et vous trouvez des liens sur les liens à la description, pardon. J'ai fait l'application que je fais le montage avec. Déjà, vous trouvez le lien dans la description. J'ai fait plein de tutos. Du coup, n'hésitez pas à consulter ma chaîne et de vous abonner, de liker les vidéos et de me proposer si vous avez pas compris un truc ou si vous voulez que je vous montre un truc. N'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, je vous réponds. Bah, likez la vidéo. Bah, je vous dis merci, merci, merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Et à la prochaine vidéo, ça sera comment vous pouvez faire votre miniature. Je le mets en ligne la semaine prochaine. Non, le week-end. Vas-y, merci, merci, merci. À la prochaine vidéo. Au revoir.